centrale, populaire. Qu'une décoration, on fait ça à Paris au 104. Et l'année dernière, on a eu 6700 personnes. Et donc, ça nous permet de faire un joli chèque au Secours populaire tous les ans. Donc, voilà. Et puis, non seulement ça, mais c'est ce que dit le président du Secours populaire, c'est pas simplement de faire un chèque, c'est c'est d'en parler. Bon, Julien, ça ira mieux quand le Secours populaire n'existera plus. Voilà. À mon avis, c'est pas demain la veille. Mais oui, ça ira forcément mieux demain. Moi, si je monterais pas sur scène si je le pensais pas profondément. C'est malade, putain. Parce qu'ils résonnent complètement autrement. Je leur dis, mais les gens, mais ça, mais s'en foutent, mais... Et ils devraient s'entourer de gens, d'ailleurs, dans leur... Et il n'y en a pas un qui le fait. Parce que s'entourer de gens... De société civile. Et Christiane, elle voulait faire, elle a pigé ça. Elle dit, mais voilà, c'est bien, toi, tu sois à côté de moi, toi, j'ai envie de te parler, toi, je t'écoute. Tu vois, les autres, là, j'en ai 15, tu m'en alignes 15, les 15 vont dire la même chose. Les mois avant, encore 5-10 minutes. Alors, pour revenir par rapport au début, parce que vous étiez proche du Secours populaire. Mais avec votre nom, Monseigneur, pourquoi vous n'êtes pas plus proche du Secours catholique? Du Secours catholique? Non, mais c'était Julien Le Prêtre. Julien Le Prêtre est président du Secours populaire. Le Secours catholique fait du très bon boulot ici. C'est juste pour l'humour. Voilà, non, mais je vais réfléchir.